Bonjour Constance. Bonjour Constance. Constance de foi. T'as bien dormi? Il y en a qui sont fidèles au poste. Hein? Oh zut. Ah. Bon, mon direct ne va pas être long. Hein? Nous sommes en alerte maximum. Hein? Apparemment, le pilleur en chef veut rappliquer pour la énième fois. Donc du coup là, je suis d'une humeur joyeuse parce que le gars là, vaut mieux qu'on en finisse avec lui ici. Hein? Son prédécesseur est en exil. Faudrait que lui aussi finisse en exil. Parce que s'il faut mesurer, si c'est selon le service rendu au pays, que ton corps reste en exil ou pas, il devrait être le premier à mourir en exil. Son prédécesseur arrive après lui en matière de pillage, que ce soit matériel ou psychologique. Donc, s'il veut venir finir, sauf que chez lui, là, en Suisse, moi, je suis tout à fait d'accord avec la chose. Je suis tout à fait d'accord qu'il vienne finir en Suisse. De toute façon, c'est chez lui, non. Vous avez déjà dit ça, le gars, il n'est pas camer, hein. Parce que nous autres camer, nous sommes installés dans notre stupidité, là. Hein? Les gars ont des passeports étrangers. Vous êtes là, vous battez pour eux. Ils sont en train d'abandonner le navire. D'une façon ou d'une autre, ils vont abandonner le navire. Et ils ont les moyens d'abandonner le navire. Donc, vous autres Camerounais, là. On a vu la liste de ceux qui veulent entrer ici avec des armes. Mes frères, vous qui êtes dans l'armée, là, vous qui êtes au front. Voilà que les rats sont en train de quitter le navire. Hein. Comme nous bavardons beaucoup, là. Nous ne sommes pas des Madame Irma. Nous ne lisons pas dans le marc de café. Mais il y a des choses qui sont, qui sautent aux yeux. Les gars ont les moyens de se barrer, eux. Vous avez vu la petite liste. Maître Corbeau, laisse-moi tranquille. Vous avez vu la petite liste de ceux qui vont quitter le navire, ou qui peuvent quitter le navire, qui demandent la permission de quitter le navire. Salut, salut. Ça a sonné. Ouais. Ah, j'étais dans la cuisine, Bon, en mode café. t'inquiète. Ah, tu pètes la forme. C'est lundi matin. Je disais donc que dans la vie, hein, il faut savoir avoir un coup d'avance. Les Camerounais sont là, ils se battent pour un système qui n'en a rien à foutre de vous. Ce système n'en a rien à foutre. Les gars peuvent prendre de l'avion comme ça et aller crêcher au pôle Nord. Vous, dans tout ça, vous êtes quoi alors? Comme vous dites que nous bavardons beaucoup là, ils vont venir nous rejoindre ici, hein. Avec les mêmes avantages, sinon plus même, s'ils arrivent à sauver l'argent qu'ils ont volé. Ils vous laissent avec le merdier du Cameroun parce que c'est un sacré merdier. Quand les rats commencent à quitter le navire, il faut s'inquiéter. Je vous l'avais dit lors d'un direct. La loi de la marine veut que le capitaine coule avec son navire. Mais ce capitaine-là tient à sortir de ce navire, d'une façon ou d'une autre. Il n'y aurait pas la BAS que le gars serait revenu depuis. Après les élections, là, il aurait prêté serment. Il serait entré dans son oiseau, là. Il serait venu nous retrouver ici. Tranquillement, tranquille. Et pendant ce temps, les Camerounais sont là. Ils boivent les bières. Il y en a même qui se battent pour lui. Lui, il a les moyens de se barrer. Avec un certain nombre de personnes. Mes frères qui sont dans l'armée, là, qui sont au front. Vous faites partie de la liste. C'est vous qu'on a envoyé en première ligne, non? La chair à canon. Voilà que les propriétaires du pays sont en train d'abandonner le navire. Ils vous laissent ça. Vous allez devenir un sacré merdier, le Cameroun. Le gouvernement est tellement acculé que quoi qu'ils fassent là, ils sont perdants. Ils gardent Kamto en prison, ils sont perdants. Ils le libèrent, ils sont perdants. Ouais. La résistance, c'est la chasse à courre. Mais ils ne nous ont pas vu arriver. La résistance, c'est la chasse à courre. On débusque le gibier. Le gibier est cerné maintenant. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Ça va? Ah ben toi.
Ça va, merci, ouais. Advienne que pourra. Les gars veulent sortir avec des armes. Il va falloir que l'Occident nous explique un tout petit peu. S'il y en a qui comptent plus que d'autres sur cette terre. Quand un opposant veut le visa pour venir se soigner, maintenant qu'il a été blessé là, quelqu'un s'est dit qu'on pourrait lui donner le visa pour qu'elle vienne soigner sa jambe. Non, personne. On a même dit que c'était une ingérence. On ne pouvait pas lui donner le visa. C'était une ingérence. Mais, coucou. On se donne 5 minutes tout à l'heure. Yes. Alors tout à l'heure, moi je dois être à Rien n'a 9h30 à peu changé, près. rien n'a changé, hein, tu sais. Moi, j'ai rien reçu de nouveau. C'est ce qu'on nous a donné vendredi qui tient Mais t'as pu toujours. compléter les tableaux du coup? Oui, j'ai quasiment fini. Ok. À part rajouter les nouvelles lignes, parce qu'il y a de nouvelles lignes que moi, je ne retrouve pas là. D'accord. Mais j'ai mis les deux arrondissements sur les tableaux. Ok, donc ça, moi je peux déjà peut-être imprimer le tableau pour le parcourir avec Cathy en fin de matinée. C'est mon tableau, il n'y a que moi qui comprends les codes dessus. Hein. Ah. Je te l'envoie par mail Ouais. tout à l'heure, donc le temps que tu arrives à Jaurès. Parce que moi j'ai mis des causes parce que c'était en mode pause un hein, vendredi. C'était quoi? Pour que je me rappelle. Donc les codes ne sont pas ceux de Cathy. D'accord. Je te l'imprime quand même. Mais je voulais qu'on voie les chiffres aussi. Il y a de grands écarts quand même. Bah, après, entre la demande et ce qu'ils ont effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir des gaps. Moi, j'ai pas du tout Par rapport à l'année regardé. dernière, il y a de sacrés écarts quand Ouais, même. par rapport à ce qu'ils ont obtenu. Oui, parce qu'il y a des moments où ça me paraît logique et puis il y a des moments où on se demande quel total ils ont pris. Ils nous ont dit de prendre 100. Le bénévolat et tout, et Ouais. je pense que l'année prochaine, l'année dernière, il y a beaucoup de personnes qui ont tenu compte du bénévolat, ce qui fait qu'on peut très vite passer de 73 à 42, à 46 euros, 46 000 quoi. En coût total? Ouais, d'accord. Si tu veux, on voit un exemple avant que tu ne parles. Oui, bon, après ça. Mais il n'y a vraiment pas de. Voilà. Je t'envoie le tableau, je mets juste au point les couleurs, je laisse en bleu ceux que j'ai pas encore traités. Ouais. Et De toute ben. façon, je sais même pas si on a des. Si on doit avoir accès à des imprimantes là-bas. Oui. Je peux même te balancer l'impression de l'autre côté. Non, je t'envoie ça par mail. Je rectifie juste le code couleur. Je garde en bleu ce que j'ai pas traité et je l'envoie par mail. Sauf si tu as 5 minutes avant de partir. Bah là, moi j'ai. Toi, j'ai. Je pars dans 25 minutes, hein. Donc Ok. on, si tu veux qu'on. Dès que je finis de. Parce que moi aussi, je viens à peine d'arriver. Santé. Dans le temps de lancer Ouais. ça, parce que j'étais sujet en train de vérifier si autre chose n'était pas tombée entre-temps. Mais non. Rien de plus. Non. Et puis il y en a qui n'ont pas répondu. Donc il fallait que je croise des données. Chose que je voulais faire aujourd'hui. Je ne vois même pas Moi, de nouveautés, quoi. j'avais relancé. Il en manquait deux la semaine dernière. Mais. Je les ai relancés, puis ils me les ont envoyés, donc, et je les ai mis dans tes, Ok. dans les copies. Parce que Cathy demandait vendredi si. Si on n'avait pas reçu le dossier de qui, je me souviens plus trop. Pas l'armée du salut. Alors, Cathy, 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 Cathy. Voilà. En même temps, c'est Nadège qui reçoit, c'est pas moi. Hein. C'est pas celui-là. Non, ça date de mercredi. Aide Réhab 2. Oh my God. Elle a écrit, elle a envoyé un mail dans la journée de vendredi demandant si on n'avait pas reçu souris verte. Ah, non, on n'a pas ça. On n'a pas reçu. Non. Et c'est le septième. Ah, pour le 7, ok, pardon, moi je trouve pour les. Qui relance, c'est Nadège qui relance ou je leur envoie un mail. Je vais voir ça, Nadège. Ouais, après, il me semble que tu peux Après, moi, j'ai récupérer regardé là. Sougi, on n'a pas introduit un nouveau dossier. Ouais. Donc, j'éclaircis mon code couleur et puis on jette un coup d'œil Ok, vite fait dessus. ça marche. Ouais, moi je pars à 25, je suis à vélo, donc Ok. je vais être rapide. Bah, En 1 minute, quoi. on va speeder le temps que je retrouve le tableau Ok, qui se merci bloque à de toi. temps en temps d'ailleurs. Merci. T'en prie. Non, je disais donc que. Quand les rats commencent à quitter le navire, c'est pas bon signe, les gars.
c'est pas bon signe. Et quoi qu'on fasse, fais quoi? Ils vont abandonner le navire. Ils ont les moyens d'aller vivre à l'étranger. Je vais baisser les. Je vais baisser les volets. Baisser les volets, baisser les volets. Oh my gosh. Donc les gars sont en train de vouloir abandonner le navire en laissant les Camerounais en laissant les Camerounais dans ce sacré merdier. À savoir un pays qui n'a même plus d'argent. Le Cameroun n'a plus d'argent. La situation sociale du Cameroun, socio-économique, est catastrophique. Et le peu que vous avez, vous continuez à mettre ça dans la bière. Non, les gars, Biya, il se pointe ici. Tous les Camerounais qui nous font le reproche là de mal faire les choses, ce sera l'occasion d'aller nous présenter nos respects, quel que soit le pays. S'il arrive pendant cette semaine-là, ça veut dire que vendredi, là, notre part de camping, il est quelque part ici en Europe. Les Camerounais devraient se verser là-bas. Pour ceux qui nous font le reproche, qui disent qu'on ne fait pas bien, non. Tout le monde doit entrer dans la danse. Le gars là sort du pays. Il ne devrait plus rentrer. Hein? Pour les Camerounais qui disent que moi je veux sauf que le changement. Le gars là sort du pays, il ne bat plus. Il démissionne ici. On l'accule jusqu'à ce qu'il démissionne. Le plan est celui-là. On ne souhaite pas que meure. Mais moi qui meurt, ça nous apporte quoi? Rien du tout. De toute façon, il a fini d'abîmer le pays. Qu'il crève ou pas, ça ne changera rien à nos vies. Il démissionne. Si les Suisses veulent l'héberger jusqu'à la fin de ses jours, grand bien lui fasse, il devient un citoyen lambda. Ça veut dire que nous, là, le genre de procès qu'on va coucher sur le plan international, le genre de plainte que nous-mêmes on va déposer, là, les chefs d'accusation, là, n'existent pas encore. Eh oui. Que Biya sorte seulement du pays. C'est le moindre mal qu'il sorte du pays. Parce qu'il va venir jouer ici, sur un terrain où il y a des lois. Il pense qu'il est trop protégé. Ah, il va falloir que les instances internationales nous disent si dans ce bas monde, l'égalité entre les hommes existe. Qu'ils viennent jouer à domicile. Ouais. Qu'ils viennent jouer à domicile. Il va nous expliquer à nous autres là. Ah, tu veux l'épouser? Pardon, elle-même elle est en partance. Elle-même elle est en partance. Vous pensez qu'elle pète la forme? Elle est là comme moi. Nous sommes des âmes en souci. Il n'est pas judicieux que ces gens-là meurent. Il faut que les Africains apprennent à assumer la responsabilité là. Il va falloir, comme on a ça dans nos gènes là, la responsabilité s'est barrée à un moment. Il va falloir que les Africains apprennent à être responsables. Le gars là ne doit pas mourir, Biya ne doit pas mourir. Je lui souhaite de vivre aussi longtemps que Jeanne Calment, 125 ans. Le gars doit s'asseoir comme ça, il passe sa vie comme ça, comme on passe les pages d'un livre, il pleure. Il doit ça, même sa femme. On nous dit qu'il y a une qui est morte pour avoir parlé. C'est ça, aimer une nation. Hein? Jeanne Irène, on l'a tuée pour avoir parlé. C'est ça, aimer. Elle aimait la nation camerounaise. Elle a fait comprendre à son mari qu'il m'aidait. Aimer quelqu'un, ce n'est pas se taire. Les gens qui pensent souvent là que aimer son pays, c'est se noyer dans la gadoue jusqu'ici. Non. Aimer, c'est oser dire à l'autre qu'il est en train de merder. Donc, Biya vienne, pardon. En Suisse en plus. À Zambodo. Moi-même là, je dépose un bindi, une plainte. Je ne sais pas encore de quoi je vais l'accuser, mais j'ai quelque chose. Qu'il devienne un citoyen, qu'il vienne démissionner, pardon. Qu'il ne nous donne pas mal à la tête. Parce que je soupçonne ce gars-là de vouloir se barrer pour que ça explose au Cameroun. Ils ont l'esprit tellement retors que lui, il se barre. Et ensuite, on reste tuer les Camerounais là-bas, tranquille. Et si ça venait à arriver, l'Occident qui va l'abriter là, quel que soit le pays occidental qui va l'abriter, on va se faire un malin plaisir de porter plainte pour complicité de génocide.
contre ce pays-là. Donc, que le gars sorte, sauf que, on attend. Bien cerné, quelle que soit la décision qu'il va prendre là, elle est merdique. Elle ne joue pas pour lui. Et bête à que le gars la sorte du Cameroun. On ne devrait même plus l'empêcher de sortir. Qu'il vienne. Qu'il vienne à nous. Pour qu'on voie un tout petit peu quels sont les jalons que les gens ont posés dans ce pays. Parce que tant qu'il est là-bas dedans, c'est lui le chef. Mais qu'il sorte un peu, que ces gens-là se dévoilent. Parce qu'ils vont être obligés de se dévoiler. Ils vont être obligés de se dévoiler. C'est pour ça qu'on dit aux Camerounais que samedi, ils doivent sortir. Samedi là, que Biya soit dans ce pays ou pas, les Camerounais doivent sortir. Oh. Pas seulement boire les bières, les gars. Il faut que les Camerounais sortent samedi. Que Biya soit dans ce pays ou pas, deux fois plus si Biya n'y est même plus. Si Biya n'y est plus, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui maintient les Camerounais dans cette léthargie-là? Puisque c'est lui qui vous fait peur. Biya vous fait peur. Il n'est plus dans le pays. Vous allez sauf Kaïtoudi. Vous allez sauf Kaïtoudi. Est-ce que Etoudi, c'est le pôle Nord? Même les militaires, là. Eh, mes frères. Nous autres, quand on parle souvent comme ça, vous pensez que c'est juste pour question de bavarder. De merdier dans lequel Biya vous a mis. Le gars a bouffé vos cerveaux. Personne ne revient comme il est parti d'une guerre. C'est impossible. Trop d'horreurs commises, trop d'horreurs encaissées. Personne, aucun de nos frères ne reviendra du front comme il est parti. Aucun. Et ça, il vous a abîmé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, là, il veut vous laisser dans ce merdier, une guerre qu'il a déclenchée. Une guerre qui ne sait pas arrêter, qui ne veut pas arrêter. Il quitte le pays et il vous laisse au front. Vous avez déjà vu un père de famille faire ça un jour? Ah oui, le père de la nation. Vous avez déjà vu un père de famille? Ça se passe, lui, dans nos petites familles où le père, il abandonne famille et enfants. C'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Mais le père de famille n'abandonne pas souvent sa famille en guerre. Biya a envoyé ses fils en tuer d'autres. Et il veut se barrer du pays en laissant ce merdier-là. Et il y en a qui se battent encore pour lui. Qui va organiser l'arrêt de la guerre là, alors? Lui, il a fini d'organiser et les autres viennent trinquer maintenant. Il a fini de boire. Les autres ont la gueule de bois. Mais les Camerounais sont toujours assis là. Je vois toujours des commentaires stupides sur les directs. Des commentaires stupides. Supra-stupides. A dit que le Camerounais n'a vraiment plus d'instinct de survie. Du tout, du tout. Donc pour les Camerounais de la diaspora, là, qui ont sauf que la grande bouche pour parler, et la méchanceté comme torpille. Pardon, Biya arrive cette semaine-là. Achetons les sacs de couchage et des tentes. On va passer le week-end. Elle n'est pas là, elle est à Jaurès. On organise un camping géant où qu'il atterrisse. Donc que chacun fasse son paquetage. Quel que soit le pays où le gars va aller se soigner. On fait le paquetage pour ce week-end. Pas la bouche là, pas les bébés. Barbecue, en plus il fait beau. Barbecue, saucisse, chipolatas. Nous sommes en mode camping ce week-end. Quel que soit le pays où il va se poser. Pas le bébé là. Quand c'est pour insulter les gens sur les directs là. Tous les Européens doivent se préparer. À aller l'assiéger. On se verse là-bas. Les frontières sont ouvertes, non? Sauf si le gars là-bas en Angleterre, là, c'est tout petit peu chiant. Parce que, voilà, la masse va être réduite. Par contre, le gars là est dans les 28 pays, là. Je vais prendre sur l'argent que je n'ai pas pour acheter le billet d'avion. Donc, tout le monde en alerte. Je ne fais pas un long direct ce matin. Tout le monde en alerte. Il est grand temps que les Camerounais cessent de marcher sur la tête.
Je ne vais pas parler de l'autre de Cabral là qui vient. Il faut que le Cameroun change. Le gars prend ses 8 mois, il va faire sa djamboula. Avec le pauvre argent que le Cameroun n'a même pas. Il dit que l'argent est dans son compte. On sait comment ça se passe. Hein. Moi, mon grand-père est décédé. On a déclaré sa mort quelques mois plus tard. Et l'argent tombait dans son compte. Même après. On sait comment ça se passe. De deux choses d'une, soit c'est mise en disponibilité, ta fiche de paie est à zéro, zéro virement. Ou congé sans solde, ta fiche est à zéro, zéro virement. Comme ça que ça se passe dans un pays normal. Eh oui. Tu as un salaire parce que tu as work. Tu as un arrêt maladie. Si tu n'as pas d'assurance et tout le droit, toi, je parie que ça n'existe même pas au Cameroun. Ton salaire en pâtit. Donc, pardon, Cabral, il faut que le Cameroun change. Ah non, 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 le Cameroun doit changer. Parce que quelqu'un qui voulait être président de la République, qui prend ses pieds et kounya-kounya, qui quitte son poste et qui accepte qu'on lui verse son salaire, tu veux être président dans notre pays, dans le nouveau pays qu'on veut construire là. Cabral, pour toi, on va traiter ça après. On va traiter pour toi après. Et tu es venu te pavaner ici en Occident. Tu as l'impression que moi, là, si je prends un congé sans solde, on va me virer l'argent sur mon compte le mois d'après. Tu es venu te pavaner ici, non? Tu allais faire un petit tour aux États-Unis. Tranquille, ton salaire est tombé. Tu crois que nous, là, citoyens lambda, que tu veux gouverner demain, tu penses que si je dis à mon employeur, là, Ngobina, que je prends un congé sans solde, l'argent va tomber sur mon compte. Même si l'argent là tombe, on va se rendre compte de l'erreur là. On va récupérer l'argent à une vitesse. L'argent public. L'argent est dans ton compte. L'argent qu'on ne fructifie pas au trésor. Bon, même comme le trésor camerounais ne fructifie rien du tout. Pour le principe. Et c'est toi là qui dis que tu veux succéder à Biya. Cabral, je te dis que pour toi arrive. Laisse seulement un combat à la fois. Un combat à la fois. Dis-toi que les gens comme nous là, qui avons des parents qui souffrent, qui n'ont pas leur retraite, qui ont fini de work, qui n'ont pas leur retraite. Toi, tu as assis, tu prends 8 mois de villégiature. Tu as ton salaire qui tombe. Mais nos parents qui ont work n'ont pas leur pension retraite. Il va falloir que tu nous regardes dans le blanc de l'œil là, que tu nous expliques si c'est le Cameroun là que tu veux qu'on développe après Biya. Sur ce, j'ai pas envie de m'énerver. Nous sommes lundi. La semaine va être longue. Bonne semaine à nous. Et préparez votre paquetage. L'armée est en route. Eh oui. L'armée de la résistance est en route. Pardon, bien, viens, sauf que. Ne nous fatiguez pas. Les gars de la base, là, pardon, libérez-le qui viennent. Pas les Camerounais qui font le bebeb là. Vous allez voir notre pas de magie ici. Moi, là, je vais prendre les congés juste pour aller camper là-bas. Mais de nouveau chez moi est où Bia va être. On va tous aller camper. Moi, j'ai eu mon sac de couchage depuis, j'ai mes menottes depuis. Et demande le coup des menottes là. Moi, j'étais chaude même le 26 janvier. Si la Suisse veut qu'on s'installe, qu'on vienne trouver leur tranquillité, il n'y a pas de souci, les gars. Nous, on est chaud. Les gens qui disent souvent que venez faire ça ici au Cameroun, que Biya vienne faire ça ici en Europe. Il va confirmer la confirmation du code. Qu'ils viennent faire ça ici en Europe, les gars, laissez-les entrer. Vous allez voir la magie. Nous, nous sommes déjà morts. De toute façon, nous sommes interdits de territoire au Cameroun. Mais lui, il vient. Qu'il vienne. Qu'il vienne, qu'on en finisse. Bon, sur ce, on passe une bonne semaine. Nous sommes tous en alerte.